C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Pierre, Patrick et Émilie qui s'apprêtent à rouler des rouleaux de printemps aux côtés de Johan Noël. C'est un truc qu'on a fait beaucoup dans ma famille, mais que je sais, je suis pas du tout douée pour faire ça. On va voir. Mais c'est pas les mêmes rouleaux de printemps en revanche. Il y a quoi dans ceux-là? Là, c'est un peu spécial, c'est la langoustine avec un pesto d'épinards relevé à la menthe. Pas mal. Ça va être un rouleau de printemps bien frais. Donc on y va. C'est parti. Allez, on va sortir. Là, ça c'est la galette. Ça c'est l'opération la plus délicate, hein. Sortir la galette sans la déchirer. Sans la déchirer. Tout à fait. Et hop, surtout bien l'étaler. Donc maintenant, on va étaler un petit peu de... Donc je mets quoi, là, les quelques feuilles d'épinards en longueur, tout à fait. Ok. Pardon, hein, Pas de problème. Voilà, j'étale les pousses d'épinards. Parfait, c'est tout bon. Voilà, parfait. Je mets la... On va mettre la farce. Et la farce, donc la farce, il y a quoi dans cette farce exactement? Langoustine. On va avoir un peu d'échalote, une petite mayonnaise relevée au wasabi et quelques œufs d'aranga fumés. Voilà. Des œufs d'aranga fumés. Voilà, je mets tout, il n'y en a pas trop là? Non, c'est parfait. Ok. Parfait. Bon, maintenant on va faire un petit pliage. On va rebouler, on va faire bord à bord. Et c'est là que c'est dur là. C'est là que ça va devenir un peu compliqué. Et le pesto, on le met pas maintenant là? On le mettra à la fin. Ok. Voilà. Et maintenant on sert bien. Et là je roule. Et là ma grand-mère, elle a toujours dit qu'il faut bien serrer. C'est ça, tout à fait. C'est vrai, Émilie? Donc ça sera un rouleau d'hiver. Voilà. Parfait. Et ben voilà. Magnifique. Il est beau ce rouleau. Magnifique. Bravo, Émilie. Ah, il y en avait déjà qui étaient prêts en avance, quand même. Bravo à tous les deux. Je rappelle, Johan Noël, que vous êtes chef de l'hôtel de la plage Sainte-Anne-la-Palue. C'est dans le Finistère. Tout à fait. À tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Giovanna est une ancienne star de l'opéra, déclarée morte par erreur, et qui attend désespérément des hommages qui ne viennent pas. Mike est un cascadeur qui défie la mort tous les jours, mais la peur au ventre. Dolores est asthmatique, mais fume cigarette sur cigarette. Édouard anime une émission sur les affaires criminelles. Marie Cerise est une ado harcelée, suicidaire, victime d'un kidnapping, l'occasion inespérée de démarrer une thérapie. Voilà tous ces personnages dont le point commun est d'habiter Paris et à première vue de ne pas aller très bien. C'est une chanteuse d'opéra. Elle a été déclarée morte par erreur et depuis elle s'en remet pas. Enfin, faut dire que tout le monde l'a oubliée. Ils ont écrit 60 ans. Je viens à peine d'en avoir 59. Ma chérie, tu sais que ce soir, on va voir le nouveau psychiatre. Marie Cerise, je me suis démenée pour t'avoir ce rendez-vous. Je peux pas vous aider si vous me parlez pas. Action ! Je travaille dans le cinéma. Yes. Putain, je l'adore. Elle est morte dans son sommeil. Ça fait combien de temps maintenant? 3 ans, 4 ans? Je sais, faut que je passe à autre chose. Quand on est vivant... Bah, on vit. T'auras tout le temps d'être triste quand tu seras mort. The pressure is okay? Yeah, it was great, thank you for it. En plus, son accent, là, quand il parle, du sucre pour les oreilles. Même ma mort ne les intéresse pas. Faire le deuil de ses illusions, c'est sûrement ce qu'il y a de pire. Tout le monde s'en fout! Comment? La vie, après tout, c'est l'ensemble des chances qui nous soustrait chaque jour de la mort. Vous n'avez qu'un seul devoir dans la vie, celui d'être heureux. À la vie. Chin. Comme le disait ma grand-mère iranienne, Dieu, si vous nous faites pas riches, au moins faites-nous con qu'on puisse profiter de la vie. Paradis Paris, c'est le sixième film de Marjane Satrapi. En salle mercredi prochain, ça parle de la mort, mais pour mieux en rire, et ça fait du bien, avec à l'affiche Rossi de Palma, André Dussolier, Alex Lutz ou encore Roche Dizem, avec pour incarner cette cantatrice tombée dans l'oubli et totalement dans le déni, Monica Bellucci, parfaite dans ce rôle agro dolce. Aigre doux en italien, elle est ce soir notre invitée aux côtés de la réalisatrice Marjane Satrapi. Bonsoir Monica. Ravie de vous retrouver. Marjane, c'est un plaisir de vous avoir toutes les deux sur le plateau pour parler de ce film qui nous met face à la réalité de la mort. Mais sans en faire tout un drame, ça vous ressemble tellement, Marjane, de faire de cette échéance inéluctable une ode à la vie, avec cette citation formidable, inspirée de votre grand-mère iranienne, absolument. C'est ça ? Dieu, si vous ne nous faites pas riches, au moins faites-nous con qu'on puisse profiter de la vie. C'est C'est-à-dire qu'on profite mieux de la vie quand on ne se pose pas de questions, c'est absolument. Ça le message ? Absolument, absolument. Bah, c'est sûr, la connerie quand même, ça aide hein, à supporter la vie, oui. Mais vous êtes tout sauf conne, Marjane, donc ça vous obsède quand même cette échéance au point d'avoir imaginé que vous alliez mourir autour des 82 ans
Et ce compte à rebours vous permet au contraire de profiter au maximum du temps dont vous disposez jusque-là. Bah, c'est-à-dire que comme je ne me raconte pas d'histoire, c'est-à-dire qu'à la fin, chaque personne qui est née dans ce monde, c'est un condamné à mort. Tous. Chaque bébé qui meurt, c'est un condamné à mort. Nous vivons tous en sursis. Je suis très angoissée par cette idée parce que je trouve... en réalité, la raison pour laquelle nous tous nous mourons, c'est la même raison qu'il y a un rat ou un cafard qui meurt. C'est pour que la seconde, la génération d'après soit mieux. Et cette idée que nous ayons toute cette conscience et que nous mourions pour la même raison qu'un cafard, c'est insupportable parce que dans l'univers, il n'y a que sur cette terre qu'on connaît où il y a la vie et sur cette terre. Il n'y a que nous, les êtres humains, qui avons la conscience, qui essayons de justifier notre vie. Et avoir toutes ces capacités-là, tout ça pour mourir, c'est affreux. Donc je suis super angoissée par rapport à ça, c'est pour ça que je travaille beaucoup. Mais c'est aussi pour ça aussi que je suis obligée de vivre, parce que quand je regarde devant moi... vous savez, c'est pas Luna Park, on va pas s'amuser, c'est-à-dire petit à petit, et j'ai mal là, et j'ai mal là, après mes copains ils meurent, après je finis en EHPAD avec les gens qui me maltraitent, après il y a des tuyaux dans tous les trous de mon corps. C'est ça l'avenir, c'est ça ce qui est devant moi. Mais vous arrivez à relativiser. Bah, c'est-à-dire, en attendant que ça parte en couille, là, aujourd'hui, il faut en profiter, voilà. Ça vous a... Parler, Monica, en profiter en attendant que ça parte en couille, pour reprendre les termes fleuris de Marjane. Quitte à accepter d'être enfermée dans un caisson à la morgue dès la première scène du film, de passer pour morte et du coup de réaliser quand même un fantasme qu'on a tous un peu enfoui en nous, de savoir ce qu'on dira de nous après notre mort, avec le risque qu'on ne dise rien justement. C'est pas si facile à vivre que ça en fait. Bah, en effet, moi, ce que je joue, c'est ça. C'est cette cantatrice, cette chanteuse d'opéra qui se retrouve devant une crise totale de sa vie parce qu'elle perd son instrument principal, que c'est sa voix, son talent, la reconnaissance publique. Elle a perdu son succès. Et quand elle se regarde dans la glace, elle ne retrouve plus son image. Elle a perdu sa jeunesse. Elle a perdu l'image qu'elle avait d'elle-même. Et la seule chose qu'elle a, que c'est quelque chose de très important, c'est l'amour de son mari. Mais ça, ça ne l'aide pas à se sentir mieux parce qu'elle a perdu la relation qu'elle avait avec elle-même. Et, mais tout ça, c'est raconté avec beaucoup d'humour. Et beaucoup de distance. Et dans ces films, comme vous avez dit au début, elle a ses côtés agre-douce, ses côtés douce-amère, que c'est un peu... la réalité de l'existence. On est, comme elle dit Marjane, c'est vrai, on est devant quelque chose de tragique parce qu'on doit faire face à la mort au bout d'un moment. Mais la vie est faite aussi de plein de petites morts. On tombe et on doit remonter. Et les films parlent aussi de ça. Ce rôle qui résonne avec celui que vous avez tenu sur scène pendant 3 ans, celui de la Calas, qui elle aussi a vécu une petite mort, la solitude, après une carrière exceptionnelle, avant de disparaître tout court. Donc ça vous a forcément rappelé ce personnage extraordinaire. Mais oui, je suis même comme ça, curieuse, que vraiment Marjane est venue à moi avec ce rôle, alors que j'avais joué pour 3 ans au théâtre, comme vous dites, Maria Callas, où il y avait en elle la dualité, les côtés diva et la les côtés, cette femme qui avait un côté innocent, en quelque sorte, quelque chose... parce qu'il faut avoir un cœur qui est sincère si on meurt d'amour et de désespoir. Et comme ça, un peu, cette femme que je représente dans le film. Vous compare souvent à une diva, à une icône, et qui pourtant n'hésitait pas à casser votre image, à assumer le... l'œuvre du temps sur... L'œuvre, votre... je ne sais pas, mais c'est le temps qui passe. Je ne sais pas si c'est une œuvre, justement. Mais si, mais c'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est une œuvre parce que il faut faire face, justement, dans la vie à ça, non? Parce qu'il faut... C'est difficile de rentrer dans une lutte qu'on sait déjà qu'on va perdre, en quelque sorte. Et du coup, c'est vrai, cette femme doit faire face au temps qui passe et c'est très difficile pour elle. Et du coup, avec Marjane, on s'est amusé parce qu'il y a eu une vraie synchronicité entre nous, une vraie synergie créative et on a adoré travailler ensemble.
Paris Paradis, ça dit bien Marjane, votre déclaration d'amour à Paris, votre ville depuis 30 ans. Et ce qu'on aime en particulier et aussi dans ce film, c'est la façon dont vous filmez la rue. Les échafaudages sont là, les poubelles ne sont pas forcément ramassées. Vous aimez la ville telle qu'elle est, les rues pareilles. Moi, j'adore Paris telle qu'elle est. Je trouve que Paris, c'est une ville formidable. Je ne connais aucune ville au monde, par exemple, qui offrirait autant de possibilités d'activités culturelles, autant de salles de cinéma, autant de parcours, des passages, des jardins et tout ça. Et il y a un savoir-vivre aussi français qui est là. C'est pas seulement ça, c'est tout l'accès que vous avez à la culture. Alors oui, Anne Hidalgo a fait n'importe quoi, Paris c'est ça, quand même, c'est la plus belle ville du monde, c'est le centre du monde, c'est Paris. J'avais envie de célébrer cette ville, mais aussi le côté cosmopolitain et le côté vraiment international de Paris. Quand on parle de Paris, surtout quand les Français parlent de Paris, on dirait une petite ville de province dans laquelle tout le monde ne parle que français, alors qu'il suffit de marcher dans la rue. Vous entendez toutes ces langues. Regardez, moi je suis iranienne, Monica elle est italienne, on fait des fautes de genre. Et pourtant, notre langage commun, c'est le français. On arrive tous là, et en fait, Paris nous reçoit à bras ouverts. Alors oui... C'est là que c'est presque un film politique. Non, ça l'est en quelque sorte, parce que maintenant, quand vous parlez... Vous avez raison, Pierre. Quand on parle de mixité, on pense toujours à la banlieue qui va venir, qui va mettre le feu partout et tout ça, mais la mixité sociale, c'est aussi différentes classes sociales, c'est aussi différentes cultures, c'est aussi différentes langues. Et en fait, de dire que cette chose-là ne fonctionne pas, parce qu'il y a 4 incendies par-ci et par-là, et faut le multiculturalisme, ça marche. S'il y a des incidents qui arrivent à Paris, c'est parce que nous vivons en démocratie. C'est à Pyongyang qu'il n'y a pas d'incident. Bravo. Voilà. Vous aimez Paris, vous aussi, Monica. Votre personnage, lui, râle contre les Français. Et ils sont nonchalants, ils sont incompétents. Vous êtes quand même moins sévère avec les Français. Mais elle vit à Paris. Et vous, non ? Ces personnages, et moi aussi. Et c'est vrai que cette manière que Marjane a de raconter cette ville, tout l'amour qu'elle montre pour Paris, cette ville que c'est un tourbillon d'énergie, toutes ces cultures différentes qui arrivent à convivre ensemble, et la qualité de vie. Parce que c'est une ville qui offre beaucoup, mais aussi du stress de fois, parce que c'est une ville qui va vite. Mais cette qualité de vie est merveilleuse. Votre amour de Paris et de la France, qui vous le rend bien d'ailleurs, vous venez d'être élu en février à l'Académie des Beaux-Arts, au fauteuil V de la section cinéma et audiovisuel, fauteuil précédemment occupé par Jacques Perrin, décédé en 2022. Et il vient de vous arriver un truc qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie, et pas à tout le monde, hein. Vous avez été choisi par le Mobilier National pour concevoir la tapisserie officielle des Jeux Olympiques de Paris, tissée à la manufacture des Gobelins et de Beauvais. 8 artisans qui ont travaillé 3 ans pour réaliser ce triptyque qu'on voit à l'écran de 3 mètres sur 9. C'est monumental, 60 kilos de laine. Ça sera visible pendant les JO au stade de plein air de la place de la Concorde à Paris, où auront lieu les épreuves de breakdance. Je reprends vos mots sur ce que ça représente. C'est une reconnaissance que Marjane Satrapi est aussi une Française. Oui. Parce que vous savez, en France, il y a la fâcheuse habitude de dire Marjane Satrapi, artiste d'origine iranienne. Mais les origines, c'est pour la viande d'origine charolaise, d'origine... C'est pour la traçabilité, ben, ouais. C'est la traçabilité. C'est pourquoi pas franco-iranienne, pourquoi pas française et iranienne, je suis des deux. Après, il se trouve que les 2/3 de ma vie, je les ai vécues en France, que toute ma vie adulte, je l'ai vécue en France, que je suis tombée amoureuse en France, que j'ai fait ma carrière en France, j'ai travaillé en France, j'ai étudié en France. Donc il y a un moment, moi très souvent je me suis sentie très française. Après, voilà, il y a cette histoire de genre. Il faut dire que dans la langue française c'est quand même assez tendancieux, parce que c'est tout ce qui est bien, c'est toujours masculin. Vous voyez, vous avez le cœur, le cerveau, mais c'est la couille, c'est la merde. C'est toujours dans les organes du corps. Tout ce qui est noble, c'est masculin. C'est dingue. Moyen, c'est féminin. Bah oui. Regardez, vous avez une chaise et un fauteuil. C'est toujours comme ça. L'objet qui est le plus grand, le plus imposant, c'est toujours masculin. Et donc, je me gourre. Et après, les gens... Un verre, une gourde. Non, mais une vase et un vase. Regardez la différence. Ah oui, la vase. Le vase. C'est comme ça. Donc, la révélation. Donc, des fois, moi, quand les choses sont très jolies, pour moi, c'est féminin. Et donc, on me reprend. Mais voilà. Mais tout ça, c'est aussi Paris. Mais oui.
Et oui, c'était une reconnaissance de faire, parce que la dernière fois qu'il y avait les JO à Paris, c'était en 1924, donc ça arrive tous les 100 ans. Donc je suis très fière. Et puis enfin, les gens aussi qui ont fait des tapisseries au Gobelin, ces gens, il y a Matisse, il y a Picasso, je suis en très bonne compagnie. Ah oui, c'est pas mal. Oui, ça fait quelque chose. Une tapisserie, mais c'est beau. Monica, comme il y a quelques jours à Cannes, on a croisé Francis Ford Coppola avec sa Palme d'Honneur et son dernier film. On avait envie de vous reparler de votre tout premier rôle au cinéma, de vous c'est en parler. C'est pas un rôle, c'est un caméo. Ah ben c'est quand même un caméo assez marquant parce qu'on va on a la chance d'en voir un petit bout. Coppola vous a mis dans un rôle extrêmement sexy dans le lit de Keanu Reeves. Alors d'habitude dans cette émission on passe des extraits courts parce que le cinéma c'est très cher, mais là on le passe court parce qu'on ne peut pas tout montrer à une heure de grand. En effet, ça est bizarre de passer ça à cette heure. Non, non mais là c'est un montage raisonnable. Ce sera suggestif, vous allez voir. Et voilà comment vous sucez le sang de Keanu Reeves. Voilà comment j'ai commencé. Avant l'arrivée de Dracula. Quel souvenir avez-vous gardé de ce tournage? Mais c'était un moment, pour moi, c'était un petit caméo, mais à travers ça j'ai compris que je voulais faire du cinéma. Et voilà. Et après, je suis allée en Italie, après, je suis venue en France, et après, je suivis un parcours international. Et aujourd'hui, c'est vrai, j'appartiens à aucune famille de cinéma, comme j'ai dit toujours. Et j'ai fait un film avec une réalisatrice iranienne, un réalisateur anglais, un réalisateur américain, un italien, et voilà. Et je continue un parcours comme ça. Et bientôt, le 11 septembre, au cinéma avec Tim Burton pour la suite du cultissime Beetlejuice. On vous y retrouvera dans le rôle de Dolores, l'ex-épouse de Beetlejuice, sous la direction de Tim Burton, bien sûr, dont vous ne partagez pas la vie. Attention, non, et j'aime bien cette nuance, vous partagez la vie de Tim tout court. Et vous tenez à cette nuance, même si vous avez accepté le rôle en connaissance de cause, pour partager encore plus de l'amour, pour partager de l'amour en plus d'une expérience de travail. Je trouve ça merveilleux. Voilà, je voulais vous le dire. C'est trop gentil, merci. D'autant que vous serez méconnaissable, un balafré avec un doigt en moins... On ne peut pas dire, on ne peut pas trop en parler. Non, on ne peut pas trop dire, mais voilà, le film sortira en septembre. Et on sera ravis de vous y voir. En tout cas, nous, on est heureuses on a aimé, on peut en parler. Paradis Paris, c'est signé Marjane Satrapi le 12 juin prochain avec un casting formidable, dont Monica, mais aussi André Dussolier, Rossi de Palma, Roche d'Isère, Alex Lutz en cafetier absolument formidable. Cette jeune fille qui s'appelle la petite jeune fille... Charline Balu. C'est ça, qui interprète la jeune Marie Cerise. Oui, absolument. Exactement. Vous restez avec nous, vous gardez jusqu'à 21h. Tout de suite, L'œil de Pierre. Vous serez d'accord, Marjane et Monica, dans l'actualité cinéma, on rappelle aussi que sort aujourd'hui, et oui, nous sommes le 6 juin, ressort en salle, Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Spielberg qui, avec Tom Hanks, son acteur principal dans le film, sont en Normandie et assistaient cet après-midi aux cérémonies. Beaucoup d'entre vous ont vu le film depuis leur canapé, puisqu'il est sorti en 98, mais il mérite vraiment le grand écran, puisqu'il montre à la fois la violence apocalyptique du débarquement et, comme souvent chez Spielberg, la beauté du courage individuel quand 8 hommes, dont Tom Hanks, le capitaine Miller, vont partir derrière les lignes allemandes pour sauver un seul homme, Ryan, qui a déjà perdu 3 frères dans des combats précédents. You want to explain the math of this to me? I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? 20 degrees. Anybody want to answer that? Driving. Think about the poor bastard's mother. Hey doc, I got a mother, all right? I mean, you got a mother, Sarge's got a mother. I mean, shit, I bet even the captain's got a mother. Well, maybe not the captain, but the rest of us got mothers. There's lots of reason why there's but to do and die. La 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 la. What the fuck is that supposed to mean, Corporal, huh? We're all supposed to die, is that it? Upham's talking about our duty as soldiers. Yes, sir. We all have orders and we have to follow them. That supersedes everything, including your mothers. Yes, sir. Thank you, sir.
Steven Spielberg a d'autant plus voulu montrer la violence qu'il a été marqué par le film de Samuel Fuller, The Big Red One, en 1980. L'homme au cigare avait participé, lui, au débarquement. Une amie de X, ex-Twitter, publiait cette photo ce matin du vieux Samuel dans les eaux normandes, peu de temps avant sa mort, là où il avait débarqué avec ses camarades. Dans le film 1941, Spielberg lui avait fait jouer un général. Spielberg était avec Sam Fuller dans la salle de montage de Big Red One, seul film réalisé par un ancien du débarquement. Et il enrageait Samuel Fuller parce qu'à l'époque, les producteurs l'ont obligé à retirer toutes les scènes violentes dans la peur de chasser certains spectateurs familiaux. Et ça a retiré, dit-il, beaucoup de réalisme au drame vécu par les Américains, les Canadiens, les Anglais et tous les alliés. Et puis Spielberg se souvenait de son père à lui. Vous savez, mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Moi, quand j'étais gamin, j'entendais les histoires des exploits de mon père en Birmanie. Et puis, tous ses camarades de régiment, les anciens combattants, avaient également leurs propres histoires. Et puis, j'ai essayé de lire tout ce que je pouvais sur cette période de l'histoire, parce que depuis que je suis gamin, j'ai toujours été obsédé par la Deuxième Guerre mondiale. Et il était inévitable qu'un jour, j'aurais l'occasion de raconter une histoire sur la génération de mon père. Et la beauté de ce qui s'est dit cet après-midi pendant les cérémonies, aussi bien par les anciens que par les plus jeunes, ben, rejoignait ce que Spielberg évoquait en 1998 à la sortie du film. L'histoire raconte la recherche de l'humanité, comment trouver de l'humanité au beau milieu du combat. Et je crois qu'il faut se dire qu'on a tous fait cela ensemble. C'est quelque chose que vos compatriotes et les miens ont fait ensemble. Nous vous avons aidé, mais c'est vous qui vous êtes libérés. Allez voir en salle, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est en salle depuis aujourd'hui. Merci Pierre. Dans un instant, Brigitte Bardot, vue par Simonetta Graggio. Je sais à quel point vous admirez Brigitte Bardot, qui vous a fait aimer le cinéma français. Emma Peters sera également sur notre plateau. D'ici là, les rats d'auteur, Stéphane de Groot, Gilles Katzen-Dreyfus pour les rats d'auteur. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane. J'ai un truc à vous proposer, parce que j'ai une idée en tête. Je vous écoute. Je serai par exemple votre employeur. J'ai vraiment une idée en tête. J'aimerais vous engager. D'accord. Donc vous avez postulé pour ce poste, hein, c'est voilà, le poste postulé. J'aimerais beaucoup avoir le poste. Alors justement, j'allais vous demander, parce que en général, on pose des questions et ça va dans tous les sens. Monsieur Gilles Gaston-Dreyfus. Oui. Parce qu'on voit beaucoup de monde en ce moment. Oh, bien joué. Vendez-vous auprès de moi. Et je suis fait pour ce poste. Parce que j'ai l'énergie, le caractère. Non. Ah, mais ça se passe bien? Oui, ça se passe super bien. Ça, c'est déjà très très bien parti, parce que vous dites que vous êtes fait pour le poste. En fait, vous ne savez pas du tout ce que je vais vous proposer. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ben non, vous ne savez pas, puisque je ne vous ai pas proposé de poste encore. C'est pas votre poste, alors. Ah, vous voulez ma place? Non. Oh là là. Vous voulez me virer, en fait? Non. Elle fait quoi, notre entreprise? Alors, elle fait plein de choses. Vous avez l'air fort motivé à l'idée de vous faire engager par moi. Ah oui. Vous avez vraiment envie de ce poste? Ah oui. Vous connaissez les horaires ou pas? Oui, non. Alors, c'est de 5h du matin. Voilà. À 9h du matin. Ah bon? Et c'est pour être gardien. Ah, gardien d'immeuble. Vous n'avez pas peur du froid? Non, je n'ai pas peur du froid si je suis bien couvert. Ça tombe bien parce que vous n'allez pas travailler à l'extérieur. Ah. Donc c'est pour les sous-sols de notre immeuble. Parfait. Où nous avons des salles de coffres. De coffres. Auxquelles il faut veiller. On est responsable aussi. Non, responsable de rien. Ah, c'est mais comme vous m'avez dit que vous étiez très motivé. Et c'est payé combien au niveau pépette? 6 premiers mois, rien. Ah, ça c'est moins marrant. Mais c'est un stage. C'est un peu un foutage de gueule. Votre... Oui. Pardon, mais c'est... Non, je vous en prie. Monsieur de Groot. Oui, en tant que DRH, je vais aller... C'est le truc. C'était un chouette rendez-vous quand chaque dimanche sur YouTube pendant 4 ans, une jeune chanteuse postait depuis sa chambre en Picardie une reprise de rap ou de variété. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Your girl is crying in the night. Is she wrong? Is she right? Je ne peux plus rien y faire. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Emma Peters sait faire bien plus que seulement reprendre les chansons des autres. En 2022, elle dévoilait son premier album studio intitulé Dimanche. Clin d'œil à ses reprises enregistrées dans sa chambre d'ado. Nommée en 2023 aux Victoires de la musique, catégorie révélation de l'année. Et on s'en souvient, elle nous avait proposé avec November Ultra et Mentissa un vrai moment de grâce. The winner takes it all. Hello.
Ouais, c'est ça. Ah bon. Bonsoir Emma Peters. Bonsoir, comment allez-vous? Bah nous, on va très bien, on est ravis de vous retrouver à la veille de la sortie de ce deuxième album qui s'appelle Tout de suite. Oui. Pourquoi ça s'appelle Tout de suite? Tout de suite quoi? Tout de suite la suite? Tout de suite la suite déjà, parce qu'il arrive assez tôt après le premier. Et puis je sais pas, ça va bien avec mon tempérament, ma personnalité. J'ai un truc d'urgence, j'ai besoin de raconter ce que je vis tout de suite. J'ai besoin de chanter, de partager avec les gens. Là, ce que vous racontez dans cet album, c'est cette espèce d'ascension fulgurante, quoi, l'aventure folle que vous avez vécue depuis ce premier album, les Victoires de la musique, bientôt l'Olympia, ce qui était un rêve absolument dingue. Vous vous êtes retrouvée en photo sur l'écran géant de Times Square à New York. Et dans cet album, vous vous dites « Ouh là là !» je crois que j'ai un peu perdu le sens des priorités. Ah, oui, je réponds plus à ma mère, mais je réponds aux abonnés. En même temps, je kiffe cette vie. Ça va vite, quoi. Mais c'est ça, mais comme vous l'avez dit précédemment, le premier album, je l'ai vraiment écrit dans ma chambre d'ado chez mes parents, avec aucune connaissance de ce métier, de ce que c'était que d'écrire des chansons, de les jouer sur scène. Donc c'est vrai qu'en 2 ans, il s'est passé pas mal de choses et ça m'a beaucoup inspirée pour le deuxième album. Ouais. Qui est très chouette et très réussie. Merci beaucoup. Vous venez d'une famille où la musique est omniprésente. Vous avez grandi dans une ferme en Picardie, près de Senlis. Votre maman joue du piano, votre frère Albert fait du beatbox, votre sœur Marie chante, votre grand-père faisait de la guitare, votre grand-mère fait du vélo. Non, pardon, c'est la fin de saison, on est fatigué. Donc c'est une famille qui tient une bonne place sur la pochette de votre premier album. Et dès vos 9 ans, vous faisiez de la guitare classique avec des bœufs organisés à la maison, c'est-à-dire il y avait des moments de musique partagée qui étaient... comment ça se passait? Et c'était un peu obligatoire à la maison de jouer d'un instrument de musique parce que ma maman est passionnée de musique, mon grand-père aussi. Et à partir du moment où j'ai su faire de la guitare et m'accompagner, c'était une obligation de descendre de ma chambre et de chanter devant les adultes à la maison. Une obligation? C'était une obligation. Ah, à l'adolescence, mais ça a été un petit peu relou. Ça vous a pas dégoûté? Non, pas du tout. Mais si on n'est pas musicien, qu'est-ce qui se passe? Dans cette famille? Ouais. Eh ben, ça se passe très bien. Rose, par exemple, fait du cheval. Et donc, son truc, c'est l'équitation et ça se passe très bien. Bon. Votre maman, quand même, qui vous fait une déclaration très touchante. Maman, pardon si j'étais souvent très con. Ouais. Mais si j'en suis là, c'est grâce à toi. Oui, c'est vrai. Elle voulait même pas que ça soit dans l'album, tellement c'est personnel et intime. C'est ça, parce que ma maman, elle a une enfance un petit peu particulière. Ses parents ont divorcé quand elle était très jeune et sa mère n'a pas eu la garde, qui était rare à l'époque. Et sa maman est partie, elle n'est pas revenue. Donc ma maman, elle a une espèce d'instabilité, elle est très fragile et très sensible et notre manière de communiquer, c'est la musique. Donc un jour, elle n'était pas très en forme et je lui ai envoyé effectivement cette chanson qui est dans l'album. Et elle m'a dit, non, c'est trop personnel, ça raconte des détails de son enfance et tout ça. Donc elle m'a dit, ça ne va pas intéresser les gens. Et puis finalement, avec mes équipes, on s'est dit, bah, c'est quand même assez universel. Une maman, normalement, on en a tous une. Et donc ça risque de toucher les gens, j'espère. J'ai hâte que cette chanson sorte et que les gens puissent l'entendre. Ce qui est aussi universel, c'est le sentiment amoureux que vous évoquez dans le titre « Empreinte ». On l'aime beaucoup et c'est celui que vous allez nous interpréter là, accompagné de votre guitare. Oui, le temps pour moi d'offrir à Marjane et à Monica cet album qui s'appelle « Tout de suite » et que vous avez en avant-première puisqu'il ne sera disponible que demain sous le label local, Emma qui sera en tournée dans toute la France, dont le 4 décembre à l'Olympia. Empreinte, c'est le titre que vous nous interprétez ce soir. Merci beaucoup. Je sais ma chanson est facile, peut-être un peu débile, mais c'est aussi simple que ça. Pour tes matins fragiles, tes larmes de crocodile, cette chanson est à toi. Je t'ai dans la peau comme une empreinte, comme un tatou qu'on voit partout, qui nous rend fous. J'en perds. Ma vie se teinte, plus rien n'est flou, je te vois partout, je repense à nous. Et tous les jours, mon amour,
Tu dis souvent que c'est difficile, qu'on n'est jamais tranquille, mais y a pas d'autre façon. Pour toi je serai docile, accrocher nos cœurs sur un fil, et ma voix qui te répond. Oh, je t'ai dans la peau comme une empreinte, comme un tatou qu'on voit partout, qui nous rend fous. J'en perds les mots, ma vie se teinte, plus rien n'est flou, je te vois partout, je repense à nous. Et tous les jours, mon amour. Emma Peters, Empreinte, extrait de ce deuxième album, tout de suite, on adore. Pierre, vous vouliez pas nous parler de Monica ? Ah, qui chantait aussi. Pas pareil. Non, parce que Monica, vous êtes marquée par le lyrique, à la fois dans le film de Marjane. On a évoqué bien sûr la Calas. Il y avait eu aussi Mozart in the Jungle il y a quelques temps. Et puis il y a 3 ans, on va vous entendre chanter, vous allez voir, dans la série de Roman Boringer, L'amour flou, l'occasion d'un duo avec Philippe Rebaud sur du Brel, s'il vous plaît. Viens mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Belle chanson de Brel, en plus. Très belle chanson de Brel. Elle a dû vous pousser, Roman. Hein. Bah oui. Bah, on s'est retrouvés avec Roman après notre premier film ensemble, L'appartement. Ouais. Voilà. C'était beau de se retrouver. C'était même émouvant. Et dans le film Paradis Paris, la dernière scène, c'est Monica qui chante avec sa propre voix. C'est elle qui chante la Casta Diva. Donc vous savez très bien chanter. Oui. Emma dit que c'était très joli. C'était très joli. Je pense qu'on devrait faire un duo pour et voilà. Mon troisième album, du coup. C'est adorable. Là, c'était du Brel que reprenait Monica. Vos fans, ils vous commandent toujours des reprises que vous faites merveilleusement bien aussi. Pas que, mais aussi. J'essaye. J'adore reprendre les chansons des autres, ouais. Donc j'ai toujours, même si j'écris les miennes maintenant, j'adore toujours cet exercice de faire des reprises, ouais. Voilà, on a entendu Monica sur du Brel, Emma sur du Emma. Eh bien, c'est sur un mambo que Dieu créa la femme, une scène incandescente dans le chef-d'œuvre de Vadim, avec Brigitte Bardot, qui danse à nouveau 2 ans plus tard, un 31 décembre, à la télévision française. Et on va aller s'asseoir. Oh, un décor espagnol. Il faudrait aussi un danseur. Luis Diaz. Et puis j'aimerais bien aussi... Une robe à l'espagnol. Oui. Elle vous attend. Et puis de la musique. Monica, Marjane, Emma, bienvenue à la table de C'est à vous pour y déguster ce rouleau de printemps de langoustine au pesto d'épinards mentholé, roulé par Émilie, mais surtout préparé par Johan Noël, le chef de l'hôtel de la plage Sainte-Anne à La Palusse et dans le Finistère. Et tout c'est un très bel endroit. En effet. Et ravie d'accueillir à vos côtés Simonetta Greggio, scénariste, journaliste et auteur de Mes nuits sans Bardot, cette biographie fictive de Brigitte Bardot. On est ravie d'en parler avec vous ce soir. Aussi pour faire plaisir à Monica, parce qu'on sait l'admiration que vous avez pour Brigitte Bardot, on y revient dans un instant. C'est quand même pas rien ce que vous faites, parce que vous vous glissez
dans la peau, dans les souliers de Brigitte Bardot. Vous qui n'étiez pas du tout obsédé par la figure de Bardot, bien au contraire, mais vous avez été frappé en retraçant son parcours par sa stupéfiante modernité. Et ça méritait un livre. Oui, ça méritait un livre, absolument. Après 10 heures de traversée sur France Culture, je me suis dit, mais avec toute cette matière, je vais quand même essayer de faire quelque chose. C'est tellement merveilleux, ce personnage, tellement divisif, tellement... tellement difficile à traiter, et comme je suis gonflée, bah, ma foi, je pense que... Moderne parce qu'elle a acheté la madrague en cash. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit encore d'avoir de compte en banque. Elle n'a jamais changé de nom, même quand elle s'est mariée, notamment avec Jacques Charrier. Elle assumait ouvertement le fait qu'elle ne désirait pas d'enfant et que sa grossesse n'était pas voulue. C'était impensable, tout ça, toutes ces actions qu'elle a menées... de façon naturelle et qui choquait à l'époque. Et qui choque toujours, parce que encore maintenant, le fait de ne pas vouloir être mère, enfin, Monica est italienne, moi je le suis aussi, je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même, qui va contre-courant de toute une vision de la femme. Et elle, elle dit qu'elle n'est pas féministe. Elle dit, le féminisme, je m'assois dessus. Elle le dit vraiment, c'est vraiment ses paroles. Mais c'est quand même une femme libre. Et elle a été la pionnière d'une liberté féminine qui est, éblouissante quand même, encore maintenant. On écoute Jean-Luc Godard, qui parle de Brigitte Bardot à l'occasion du tournage du film Le Mépris en 1963. Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était lui faire mettre sa jupe en dessous du genou, et ça j'y suis absolument pas arrivé, et puis lui faire baisser sa choucroute. Et comment vous avez fait alors? Là un jour je lui ai demandé, ça fait au moins 15 cm votre truc au-dessus du front, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'un centimètre votre coiffure? J'accepte parce que je sais que vous ne savez pas marcher sur les mains. Et alors elle m'a dit oui, alors ben voilà, j'ai fait ça. Godard, pas Godard, elle faisait ce qu'elle voulait, quoi. Complètement. Et puis, c'était très drôle parce qu'à l'époque, Godard était fou amoureux de Carina. Et donc, c'est pour ça qu'il l'avait perruquée de noir. Et il voulait qu'elle marche comme Carina. Mais Bardot marche comme Bardot, comme personne d'autre. Avec cette espèce de nuque dévastatrice, cette espèce de folie furieuse qu'elle a dans sa manière de son allure, quoi. Vous imaginez, déjà, Godard, pour elle, c'était un gaucho pas très, très propre. Donc, bon, il fallait pas trop lui en compter, quand même. Ce qui frappe dans ce livre et sans doute ce qui vous intéresse le plus dans le phénomène, c'est l'idolâtrie, c'est l'hystérie des foules à l'égard d'une star comme Bardot. On va y venir dans un instant après une autre archive, c'est en 63, l'émission 5 colonnes à la une interview Bardot qui parle des conditions rocambolesques du tournage du film Vie privée de Louis Malle qui n'a pas pu être tourné à Londres, elle dit pourquoi. Les Anglais ont été tellement déchaînés qu'on n'a pas pu tourner dans la rue à Londres où les gens criaient, voulaient des autographes, voulaient me voir, me toucher. Je reviens à ces photographes, vous vous sentez espionné dans la vie par eux? Oui, terriblement. C'est un mot qui est trop doux encore, je pense. Traqué alors? Oui, plutôt, oui. Et comment font-ils d'après vous? J'étais obligée de sortir par la porte de service des cuisines si je voulais... essayer de fuir et d'être un peu tranquille pour une soirée ou pour faire un peu de shopping ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que finalement, cette célébrité m'amène au plus obscur fond des cuisines. C'est une notoriété, enfin c'est au-delà de la notoriété, ça lui a gâché la vie. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse, ça vous fascine particulièrement, davantage que la puissance, la gloire Vous imaginez, cette femme, en fait, c'était comme une espèce, c'était Andy Warhol. Autour d'elle, il n'y avait que des images d'elle. Vous avez dû voir à quel point, Monica le sait sans doute, mais c'est impossible pour une star de marcher dans la rue. Comment faisait-elle? Comment pouvait-elle ne pas se voir refléter 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois dans tous les miroirs, et encore maintenant, vous allez à Saint-Tropez, vous l'avez partout, sur les t-shirts des filles, c'est une catastrophe quand même, cette image qui vous est renvoyée, alors que maintenant, elle a 90 ans, 90 ans cette année, et on vous renvoie toujours l'image de quand vous aviez 20 ans. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Déjà, pour une femme, c'est vieillir, c'est toujours une histoire particulière, mais alors de vieillir quand on a été une star, et si belle, c'est compliqué, compliqué. Et moi,
sa trajectoire, sa destinée me touche infiniment. Oui. Non, il y a plein d'anecdotes de mouvements d'hystérie de foule. En 65, la promotion de Viva Maria avec Jeanne Moreau, elle est blessée hein, par la foule. Elle est avalée par la foule, c'est à New York. Hein. Ouais, elle risque un œil. Elle qui a déjà un œil qui dit merde à l'autre, excusez-moi, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui lui donne d'ailleurs une partie de son charme, parce qu'on ne sait pas trop si elle vous regarde ou pas, ça c'est pas mal. Notamment les garçons, ils devaient être un tout petit peu désarçonnés, on va dire. Et puis, elle était quand même distraite. Elle en aimait un, et puis le lendemain, elle en aimait un autre. Oui. Et puis, elle ne vous regardait pas. Enfin, c'est compliqué. Et elle a failli perdre un œil à ce moment-là. Donc, elle n'est jamais passée par l'école des comédiens, contrairement à Brando ou à Marilyn Monroe également. Elle ne jouait pas à la comédie, c'était inné pour elle. Et c'est ce qui vous a frappé aussi, chère Monica, la façon dont elle était actrice comme ça, de façon quasiment organique, quand vous l'avez vue notamment dans La Vérité. Les meilleurs acteurs, c'est les enfants. Ils n'ont pas fait d'école. Il y a quelque chose de beau, de naturel, un talent vrai, pur. Elle avait ça. Et c'est vrai que quand on a fait des films comme Le Mépris, ou comme La Vérité, ou Dieu crée la femme, c'est sûr que cette femme, elle dégageait quelque chose d'extraordinaire et qui fait encore rêver aujourd'hui. Inné aussi chez Bardot, c'était son sens de la formule, de la répartie aussi, qui lui a servi d'ailleurs pour défendre la cause animale, encore dans 5 colonnes à la une, on est en 1962. Ça n'est pas tout à fait ma place d'être ici ce soir, mais comme personne n'est là, c'est moi qui suis là pour vous parler de cette horreur qui se passe encore actuellement. C'est-à-dire que les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Vous ne trouvez pas étrange que vous, Brigitte Bardot, vous occupiez de ces problèmes ? Je trouve surtout étrange que personne d'autre ne s'en occupe. Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire... C'est de la publicité. Pourquoi pas ? Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité. Voilà, ça, c'est dit. C'est ce qui fait aussi que Bardot est Bardot. Et puis elle dit aussi, parce que je connais ça par cœur, évidemment, comme j'ai vu et revu toutes les archives, elle dit aussi, à la demande un peu insistante du journaliste qui lui dit, mais enfin, avec tout ce qu'il y a comme misère dans le monde, c'est les chiens, les chèvres qui vous intéressent. Elle dit, mais moi, si je pouvais faire, en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas d'enfants, tuer, qu'il n'y ait pas de femmes violées, je le ferais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Je ne peux pas faire plus que ça. Donc elle était quand même, regardez-la, elle est quand même extrêmement sincère, elle n'est pas du tout en train de jouer là. Et vous avez vu la suite de sa vie, moi je suis redevenue végétarienne grâce à elle. Donc c'est un élan de vie, cette femme lutte contre la mort seconde après seconde. Et forcément, ça résonne avec l'obsession de Marjane. Elle vous inspire quoi, Brigitte Bardot ? Ben, beaucoup de choses. En fait, c'est surtout... c'est une figure, je ne sais pas combien de petites filles en Iran, elles ont été nommées Brigitte à cause de Brigitte Bardot. C'est une star mondiale. C'est pas seulement français, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout. Mais c'est quand vous regardez le film La Vérité de Clouseau, c'est là où vous vous rendez compte de l'immense actrice que c'est. C'est-à-dire, dans ces films, et c'est Marlon Brando, au moment où elle arrive sur... À chaque fois qu'il y a un plan sur elle, elle crève l'écran. C'est tout le monde disparaît, il n'y a qu'elle. Et oui, elle a fait d'autres films où... Oui, c'est beaucoup plus comme ça, une femme très charnelle, très séductrice, mais dans le film, et La Vérité, c'est là où je me suis dit, c'est une sacrée actrice, c'est une immense actrice. Et puis avoir le courage de quitter tout ça à 40 ans, et puis de partir, et puis de faire la vie. Elle est très fascinante. Vous lui avez envoyé le livre à vos générations ? Alors, je lui ai envoyé le livre, je lui ai envoyé des tonnes de lettres auxquelles elle n'a jamais répondu. Et je me dis tant mieux parce que qu'est-ce que j'aurais dit en face d'elle ? Yourcenar un jour l'a appelée en disant quand même je voudrais vous rencontrer. C'était la première femme élue à l'Académie française. Ouais. Elle l'appelle, il y avait un déluge universel et Bardot la reçoit chez elle et elle passe 2 heures à discuter des animaux du monde, de leur vision du monde, etc. Et j'aurais tellement voulu être une petite souris, quoi. Ces deux femmes, une qui est la beauté et l'autre qui est l'art de l'écrivaine à son sommet,
Waouh, quoi. C'est... Ça mériterait de faire une pièce de théâtre, ça, ouais, ou même un film. Génial, la rencontre au sommet entre Marguerite Yourcenar et Brigitte Bardot. Mes nuits sans Bardot, c'est signé Simonetta Greggio chez Albin Michel. Pardon, j'en ai qu'un exemplaire. Là. Pour Monica, oui. C'est Marjane qui a décidé, pardon Emma. Paradis. Un plouf plouf, mais bon, je me suis. Paradis Paris, c'est mercredi prochain au cinéma et c'est signé Marjane Satrapi. Tout de suite, c'est le deuxième album disponible demain d'Emma Peters. Et puis on vous retrouvera dans un autre projet sur Paris, chère Monica. Ça s'appelle Ça c'est Paris de Marc Fitoussi, dans lequel vous serez une meneuse de revue dans un cabaret. Et vous avez tourné une des scènes sur le plateau de C'est à vous. Donc moi, j'ai donné la réplique à Monica Bellucci. Voilà. Après ça, bon. C'est bon, c'est fait. Oui, et vous étiez possible, super bien. Pardon ? Vous étiez super bien. Ouais. Alors que Laurent Sénéchal, nul. D'ailleurs, la rumeur dit que Monica Bellucci vous a donné la réplique à Anne-Elisabeth Lemoyne. Oui, pardon. Ce serait bien de rétablir la vérité. Encore. Bon, en tout cas, on en reparlera avec plaisir. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission, comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand. Bonsoir, nous sommes le 6 juin, vous savez ce que ça signifie ? Non. Bah, le débarquement, déjà, évidemment. J'y viens dans un instant, mais avant, pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, sachez qu'il vous reste moins de 4 heures pour déclarer vos revenus en ligne. Et oui, ça se rapproche. Et oui. Et oui. Et hier, encore des gens m'ont dit... Ah oui, 4 heures. S'il faut y aller, c'est maintenant. À la une de ce 6 juin, ABC spécial D-Day, donc une journée riche en émotions, et je le dis pour une fois sans aucune ironie, entre la réalisation, la musique et le ton solennel, je l'avoue, j'ai été très ému. Car derrière le nez rouge, il y a un petit cœur qui bat. Ben oui, mais c'est vrai. Et on se serait cru dans un film, et c'était mieux qu'un film, puisque c'était la réalité. Monsieur Hilbert Margol, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Il n'y a pas de vanne, c'est juste émouvant. Une cérémonie qui était placée sous le signe des précautions. Chers invités, veuillez vous lever si vous le pouvez pour l'arrivée de la délégation officielle. Si vous le pouvez, et il y en a un qui n'a eu aucun souci pour se lever, c'est Gabriel Attal. Car comme il aime à le rappeler à chaque prise de parole... Je suis né en 1989. Je suis jeune, surtout à l'âge que j'ai. Je suis né en 1989. Je suis d'une jeune génération. Je suis né en 1989. Et quels ont été ses premiers mots du discours aujourd'hui ? Non. Mesdames et messieurs, je suis né en 1989. Stop ! On n'en peut plus. Pendant que Gabriel, je suis né en 1989, était à Juno Beach avec Justin Trudeau, Emmanuel Macron était à Vers-sur-Mer. Enfin non, il était attendu à Vers-sur-Mer car, une fois de plus, il n'a pas dérogé à sa petite tradition. Vous savez que ces cérémonies sont millimétrées et c'est à 10h25 précisément qu'Emmanuel et Brigitte Macron devaient être accueillis. 25 minutes de retard le matin et pour la cérémonie à Colville-sur-Mer... On a au moins 22 minutes de retard du côté américain. Est-ce la faute des Américains ? Je ne sais pas. Mon petit doigt me dit qu'il est sûr pour rien. On attend toujours Emmanuel Macron. Les pauvres. Oui, près de 40 minutes de retard maintenant. Le président qui était donc à la bourre toute la journée, mais on l'excuse, il avait une palanquée de choses à gérer, l'accueil, les discours et comme d'habitude, la technique. Ah, Your Majesties. Oui, il y a déjà des gens qui bossent dessus depuis 48 heures. Your Majesties. C'était le même son, il a ensuite commis le lapsus du jour avec Joe Biden. Happy, ah non, oui, c'est très tentant. People are very happy to accueil you. Joe Biden, qui est arrivé en hélico, et si vous êtes passionné de décollage d'hélicoptères de président américain, c'est vraiment BFM qu'il fallait suivre. Ils étaient à fond sur le dossier. Vous allez pouvoir le vivre en direct dans quelques instants sur BFM TV. Donc le décollage, Joe Biden vient de monter à bord. Un militaire qui est en train de monter, l'hélicoptère qui est en train de se fermer. Les hélices vont pouvoir tourner d'ici quelques minutes. Décollage imminent qui va décoller d'ici quelques minutes. Vous allez pouvoir vivre ce décollage grâce aux images de Tom Beck qui va décoller d'ici quelques minutes. Décollage imminent à suivre sur BFM TV. Voilà, et Dieu merci, l'hélicoptère a fini par décoller pour ensuite atterrir. Et le président américain a été accueilli par des robots humanoïdes. Mais non. Impressionnant.
Et CNews aussi couvrait cette journée spéciale. Et sur les 156 000 personnes qui ont participé au débarquement, ils ont choisi de s'attarder sur une personne au hasard. Mais alors vraiment au hasard, cet homme. J'ai débarqué le 6 juin 44, commando de la France Libre. C'est l'histoire de Gwenaël Bolloré. Ça alors, l'oncle de leur boss. Bolloré. Ils seront deux Bolloré. Oui, qui a aussi, lui, participé à de nombreux débarquements et je sais de quoi je parle. Hier, sur France 2, soirée spéciale, Julien Bugier a couvert la nuit la plus longue, comme si les chaînes info existaient le soir du 5 juin 44 et ils ont poussé le réalisme au max. La seule information que nous avons, c'est qu'il y a une grosse activité aérienne et navale, mais sinon, c'est silence radio, personne ne répond à mes questions. Voilà, comme en 2024, une soirée spéciale qui a donné lieu à des moments étranges, puisqu'on connaissait les priorités au direct. Hier, nous avons découvert avec Julien Bugier la priorité à Hitler. Et de l'héroïsme pour franchir ces plages. Alors, nouvelle alerte info, on m'apprend à l'instant, on m'indique que nous venons de recevoir justement des images d'Hitler, on va les découvrir ensemble. Est-ce qu'on a ces images? Oui, me dit-on, on y va. C'est pas vrai. Voilà, et si. Et aujourd'hui, les chaînes info ont traité cette journée spéciale comme des chaînes info de 2024 en donnant des infos, dont certaines d'un intérêt, disons, modéré. L'allée centrale, elle est remplie de sièges avec des écrans géants, il y en a une demi-douzaine au moins. Voilà, et un, ça fait deux Patrick Sauce, un dans l'écran, un sur le plateau. Il faut vraiment connaître BFM pour l'avoir. Ça, c'est bon, ça. Ils étaient à fond sur la 15. Pour eux, niveau info, c'était un dîner presque parfait. Il y aura tout à l'heure ici 150 représentants de 30 familles. Je vais retrouver Daniel tout de suite. Merci d'être... David, pardon. Reconstituer ce camp américain sur un espace de 2000 mètres carrés. Juste petit détail, c'est 20 000 mètres carrés, c'est pas 2000, hein, c'est 20 000 mètres carrés. T'es passionné comme ton papa par ce débarquement, pourquoi? Ce n'est pas mon père, c'est mon oncle. Commençons pour être factuel, monsieur Delay. Et BFM a fait l'inverse de France 2, c'est-à-dire qu'ils ont fait une matinale 2024, mais avec les moyens de l'époque. Quelqu'un s'est dit, ce serait pas mal, ce serait malin d'ajouter un petit son, comme si on était en 44, un petit son d'époque, c'est une très bonne idée, mais il fallait peut-être doser le niveau du volume de l'effet. Oui, ils ont une signification aussi politique. D'envoyer des trucs avec cette position. Ça a été diffusé comme ça. Ou alors il y avait vraiment un gars en régie qui essayait de développer une boulot, mais non, ça a été diffusé tel quel. C'est l'antenne de Tatel. Alors, et dispositif exceptionnel, Dominique Rizet est sorti du studio de BFM. Vraisemblablement, c'est la première fois qu'il rencontrait d'autres personnes que ses collègues. Résultat, un niveau d'attention et d'intérêt pour les réponses des personnes interviewées proche de zéro. On vient des Landes, 1945, une autre année. Allez, vous êtes magnifiques tous, on démarre les motos. 1400 véhicules de ce type. Merci mon général. Ceux qui ont donné leur vie et qui ont consenti à sacrifier leur vie. Merci pour eux, merci. Plus sur l'opération Market Garden au mois de septembre. Il n'y en a plus beaucoup de ces machines-là. 3800 véhicules. Je m'éloigne discrètement avec le micro. Super. Super. C'est terrible. En bref, Christophe Delay était équipé d'un micro Madonna. Mais il était nostalgique de son micro main, puisqu'il le mimait. Parle de l'esprit de sacrifice. Et c'était le Didet, in English of course, my dear. Parlez-nous un peu de cette fameuse Jeep General Purpose. Utah Beach fighting for our. Hey, sure. Sure, yeah. Et quand on ne parle pas bien anglais, on se raccroche à des références plus classiques. La famille du lieutenant Potter, comme Harry Potter. Voilà, et même en français, ils avaient du mal à se faire comprendre. Jouer des airs de cornemuse. Mais comme... où est la cornemuse? Oui. Non, je dis où est la cornemuse? Ah. Où est la cornemuse? Oui. Où est la cornemuse? Les 80 ans du débarquement, c'est pas rien. Certains Français attendaient cet anniversaire depuis longtemps. Des passionnés ont bossé comme des dingues pendant des mois pour mettre en place des reconstitutions sur les plages, dans les camps, pour qu'au final, BFM casse leur petit délire en deux minutes. On n'est pas du tout, évidemment, dans la météo du 6 juin 1944. Il n'est pas tout à fait arrivé là, le matin du 6 juin. Oui, il n'est pas au bon endroit. C'était pas la même chose, évidemment, le 6 juin 1944. Le 6 juin au matin, ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'était vraiment, là, rien à voir avec ce que l'on voit. Merci, ça fait des mois qu'on est dessus, mais c'est pas grave. On referme ces actualités avec l'interview d'un vétéran canadien qui parle très bien français. Il était accompagné d'une dame qui a fait un peu de zèle.
vétéran canadien qui parle français. Monsieur, bonjour, merci de nous accorder quelques mots. Une réaction peut-être, vous avez fait le déplacement aujourd'hui. Que ressentez-vous, monsieur? Ok, je vais te le dire. La dame, en gros, elle te demande, qu'est-ce que tu ressens du déplacement pour venir ici aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ressens? Oui. On pourrait se dire qu'elle fait ça parce qu'il n'entend pas bien, mais non. Parce que je n'étais pas habitué à ça. Puis ça me fait du bien. Ça lui fait plaisir, mais en même temps, ça le dépasse, l'attention. Il est modeste. Elle voulait juste faire une traduction français-français. C'est inédit, c'était une première. Bravo, madame. L'info continue demain. Ouais. Bonne soirée. Merci, bravo, Bertrand. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir accepté ce soir notre invitation. À très bientôt sur le plateau de C'est à vous. Oui, vous partez pas avec les deux albums demain, il y en a un pour... Non, l'album de Monica. Ah, c'est bien, Marjane. Il y a un contrôle à la sortie, c'est Elisabeth qui s'en occupe. Allez au cinéma. Voilà, passez des nuits avec Brigitte Bardot et Simonetta. Écoutez Emma Peters. Tout de suite sur France 5, la soirée science grand format de Mathieu Vidard, consacrée au palais des hiéroglyphes sur les traces de Champollion. Si vous voulez bien tous vous retourner, toutes et toutes, vous retourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs. Excellente soirée sur France 5. On se quitte avec Emma Peters. Empreinte. On se retrouve demain à 19h en direct. Ciao.